Thanks, man. Oh, thank you, man. For sure. So thankful for you guys and all your hard work. This is what you got working hard. I'm bringing this home, man. This is the Find Out team. Strong together, strong together. We made it, man. Very proud of you guys. Very proud of you guys. He flew from Phoenix to be here just to support the team. And I'm so happy, man. You guys did a great job, man. Very proud of y'all. Very proud of y'all. We start from the bottom. Look where we are today. We got a trophy. Now off the party, baby. It's going down, it's going down. Off the party. It's going down. J'aime l'art. Parce que ça apporte toujours l'inspiration. En parlant d'art, avant de plonger sur l'art auquel j'ai fait vraiment attention, je voudrais vous parler de ce qui s'est passé hier ici à Los Angeles. Le 19 novembre, nous en avons mis des spectacles. Nous avions eu le concert des Fally Ipupa. Nous avions eu des fêtes ici à Los Angeles. Et le plus grand de tout cela, nous avions eu le NEFCA, le festival du 7e art. Quand je dis 7e art, vous savez, nous voyons les cinémas. Le cinéma africain était au rendez-vous hier. Et dans ce cinéma africain qui est actuellement dominé par le Ghana et le Nigeria, hier, le Congo s'est imposé. Comment le Congo s'est imposé? C'est par le film d'un fils du pays. Un film écrit et réalisé par le fils Makaya et Prince Obeni Boton. Le film, ce quel film? Found Out. Found Out, c'est le film congolais de le fils Makaya et Prince Obeni Boton. Un film qui a été nominé par ce grand festival qui est le NEFCA dans la catégorie de Best Short Movie. Ils n'ont pas seulement été nominés, mais ils ont aussi donné un bon résultat. Je veux dire qu'ils ont remporté ce trophée-là, le NEFCA, le trophée doré. Nous les félicitons. Voilà pourquoi nous sommes décidés de les joindre ici, Beverly Hills, dans ces bel endroit, un très grand hôtel là où ils sont logés. Je parle de qui? De Team Found Out, qui n'est représenté qu'aujourd'hui par Serge Kassamba, que nous allons joindre bientôt, qui s'assit là-bas, qui va nous parler un peu de NEFCA et du film Found Out. Je vous dis merci. Yo, what up, Kim? Yo, what up, Kaz? My boss put 100k on your father's head. Are you serious right now? Yes. Serge, comment vas-tu? Yeah, ça va très bien. Et toi? Tell me, tell us what's going on here, man. What you doing in LA? Oh man, you know,
Every time when we come to LA, it has something to do with a movie, with you know, entertainment. So I'm here for a movie, Find Out. So we were nominated for the best short movie at the NAFCA Festival. So the event took place yesterday. So I'm here to represent the Find Out team, to represent Caffeine. Ah, ok. De qui est composé ce film-là? De qui est composé? Qui est le directeur? Qui est le caméraman? Find Out, c'est vraiment une équipe très soudée. Le directeur, c'est le fils Makaya, qui a réalisé le film avec l'aide ou l'apport de notre directeur aussi, le réalisateur Prince Obeni. Caméraman, le crew member, il y a plusieurs. Moi-même, je suis parti de crew member. So that was a teamwork. Yeah, that was a teamwork. Dis-nous un peu, c'est quoi l'histoire? Pourquoi c'est un nouveau film? Automatiquement, vous gagnez un. Vous êtes nominé chez NAFCA. C'est quoi le synopsis du film? Le film parle de quoi? C'est un film qui relate une histoire. Une histoire de trahison. Une histoire de trahison, c'est-à-dire il y a deux personnes qui travaillent ensemble, mais à un certain moment, il y a une circonstance qui crée une certaine méfiance. Parce que il y a Chris, le personnage de Chris, que j'ai incarné, et il y a un personnage du boss. Donc le problème se passe entre les deux. Donc Chris a voulu protéger sa famille contre son travail. Donc c'est un film de suspense. C'est un film plein de suspense. Ah, ça c'est bien. Nous sommes vraiment contents pour cette réalisation. Bon, votre présence chez NAFCA, qu'est-ce que ça a apporté? Avez-vous gagné quelque chose parce que vous étiez nominé dans le best short film? Ça a apporté quelque chose. D'abord la nomination. Mm-hmm. Vous savez, le festival, quand tu es dans le domaine, vous connaissez le festival, c'est des centaines de milliers de films qui sont envoyés au festival et c'est le jury qui doit décider qui doit être nominé. D'abord, être nominé, c'est déjà quelque chose de bon. C'est notre premier projet et automatiquement obtenir une nomination, c'est déjà quelque chose de bien. Et Dieu a fait grâce. Nous avons gagné. Le NAFCA Award of Best Short Film. Santutoma Bukamuna Bukakwikila, est-ce qu'il y a des preuves? Pouvons-nous avoir la chance, l'opportunité de voir ces trophées-là? Bien sûr, je l'ai avec moi depuis hier soir. Je n'ai pas très bien dormi en fait. Moi je me disais, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je suis obligé de me réveiller, vérifier si exactement le trophée est toujours là. Voilà, c'est le trophée NAFCA pour le meilleur court-métrage de 2016. Donc, Find Out. This is your last chance to tell me the truth. What is my goddamn money? My boss wants you dead. He's willing to do anything in his power to protect his reputation.
What? Félicitations, en tout cas, ça c'est quelque chose de très bien. Pouvez-vous nous dire où nous sommes actuellement? Nous sommes en plein downtown, Los Angeles, je voulais dire Beverly Hills, à l'hôtel SLS, Beverly Hills, pour ceux qui connaissent, Hollywood, ils savent. Donc je suis là, je ne suis pas seul. Donc je suis avec mon frère, mon pote. Donc lui, il est tout, ma famille et tout. Donc on vient de loin, il a toujours été là pour me supporter, me soutenir dans tout ce que j'ai fait. Il est toujours là pour me booster. Il vient de Phoenix, donc il s'appelle Teddy. Non, il peut parler lui-même. Teddy, comment vas-tu alors? Bien, merci pour l'opportunité, Tito. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe? On suit son frère, son ami partout. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir les supporter? Eh bien, lorsqu'on venait de loin, lorsque vous avez traversé des longs chemins et vous avez des projets et vous souhaitez à ce que chacun d'entre vous évolue. Mm-hmm. Et mon frère m'a dit qu'il était plein dans le cinéma, je l'ai appuyé. Et lorsqu'il m'a parlé du projet sur lequel il travaillait, lui et ses frères à Chicago, j'étais vraiment ému et ravi. Et lorsqu'il m'a téléphoné, il m'a dit que non, mon frère, on a été nominé chez NAFCA. Et qu'on a remporté le prix du meilleur court-métrage, et bien j'étais vraiment ébahi et je me suis dit, je prends un congé, je viens soutenir mon frère, parce que c'est pas au jour la veille qu'on entend un projet congolais qui remporte un projet aux États-Unis, nominé à Hollywood, à NAFCA. En tout cas, j'ai arrêté tout ce que je faisais et je me suis dit, je viens supporter mon frère et pour l'honneur du pays, pour l'honneur de la famille, et voir comment le projet va évoluer. Et se réjouir ensemble avec lui et ses frères de son équipe. Et rien que jeter des fleurs et les encourager à faire des graves. Ok, merci beaucoup. Sinon, Serge, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes le seul à représenter le film ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne voit pas les directeurs, les fils Makaya, Prince Obeni Boton ou autres acteurs comme Vanessa Martini? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on dit toujours qu'en toutes circonstances, il faut glorifier Dieu. Tout le monde était prêt, on était prêt pour la soirée. Et il y a eu des circonstances qui étaient hors de notre contrôle. Et c'est fait que le reste du groupe à Chicago ne pouvait plus faire le déplacement pour Los Angeles. C'est pourquoi je suis là seul. Mais hier soir, ce qui était au festival, ils ont vu Vanessa Martini était là. Donc il ne manque plus que Faraz Kipupa, le boss. J'aime bien l'appeler comme ça. Faraz Kipupa, Prince Kamonou, le directeur, le fils, Prince Obeni, le co-directeur, toute l'équipe, Déborah, héritier, boss, fils Mavou, tout le monde qui a travaillé sur ce projet. En tout cas, c'est mon fierté. Ça, c'est pour tous ces gens-là, tous ces gens qui ont participé. Donc, de moi, de près, ça, c'est pour vous. Le Congo, ça, c'est ça prouve que les Congolais peuvent faire mieux. Partout où tu vas te retrouver, si tu es Congolais, fonce, que personne ne t'arrête dans ce que tu penses et que personne ne te limite par rapport à ta nationalité. Nous sommes des Congolais, nous sommes ici, mais nous évoluons et voilà ce que nous avons obtenu aujourd'hui dans le cinéma. Ce qui veut dire que tout le monde peut réussir, quelle que soit la nationalité, ça c'est pour le Congolais. J'espère que ce n'est pas le tout dernier, il y aura encore plus gros que ça. Ça va venir, ça c'est sûr. Et si vous devriez dire quelque chose à ce public qui vous suit, Serge Kassanda et son ami Teddy, qui est venu d'où au fait? Phoenix en Arizona, jusqu'à Los Angeles, pour vivre ses rêves. NAFCA Award, Best Short Movie. Congratulations. Un mot, c'est Teddy, avant que nous finissions cette petite interview. Au mot de la fin, je dirais, c'est j'encouragerais le groupe Serge
tous les élèves qui travaillent. Je leur demanderai de foncer, persévérer, de continuer. Car ce n'est pas seulement l'honneur des Congolais qui sont ici, mais ça représente un grand honneur pour toute l'Afrique d'abord. Et ça prouve que les Congolais ne sont pas seulement ce que les gens croient que nous sommes. Nous sommes des bosseurs. Et je leur demanderai de continuer, de persévérer dans le travail. Et on sera toujours là. On sera toujours là pour encourager. On sera toujours là pour supporter les œuvres des enfants du pays. On sera toujours là pour faire à ce que la culture congolaise d'abord puisse aller de l'avant à travers des événements comme l'AFCA et à travers des prix comme celui-ci. Comme ça, nous pourrons redorer le blason de notre pays et faire que notre pays soit le porte-étendard de la culture africaine. Très bien, merci. Alors Serge. Sur ma part, ce que je dirais de plus, ce n'est que remercier d'abord le bon Dieu. Parce que c'est grâce à lui que nous sommes en vie, que nous avons accepté pour penser, que nous avons été l'image pour remporter ce trophée. Et puis, je veux dire merci à tous, de loin comme de près, tout le monde qui a été impliqué dans ce projet, à quelque niveau que ce soit, financièrement, spirituellement, avec tous les conseils, tout le monde qui nous a soutenus, en tout cas, la part de toute la team Panda, je veux dire un grand merci. Un grand merci. Et j'en appelle aussi à tous ceux qui nous vont soutenir les projets, parce que les projets, il y en a. Nous sommes dans un monde où un monde qui demande vraiment le soutien, beaucoup de soutien, beaucoup de moyens, je peux dire. Tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Vous nous contactez, Fanda, contactez Tito. Ici, nous allons voir très facilement. Donc, je voudrais dire encore merci, merci aux présents pour nous. Merci à la fois pour nous, pour nous, pour nous. Début jusqu'à l'heure, pour nous, toujours présents. Merci. Alors, voilà que nous venons de finir. Ils nous ont dit, ils nous ont expliqué. Je pensais qu'il était seul, mais il était avec son ami. Teddy qui l'a soutenu. Depuis le state où il est, il a traversé, il est venu pour le soutenir. Serge Kassanda nous a décrit le film et nous a expliqué ses émotions concernant le trophée. Nafka, bravo à l'artiste. Bravo au Team Panda, commençant par le fils Makaya, Prince Obeni Boutan, Faraz Kipupa, Serge Kassanda, Vanessa Martini et tous les autres. Et tous les autres, vous êtes exceptionnels. Moi, Tito Mongali Lodolé, acteur et réalisateur, je reconnais vos talents et je vous dis, Congo est une échelle. Continuez comme ça. Je vous aime beaucoup et je vous dis, faites mieux. Pour Fanda tout, faites mieux. Et pour vous qui voulez avoir le film, n'hésitez pas, visitez www.afronaut.com et achetez le film pour contribuer afin qu'il tourne encore les Fanda 2. Le film, ça demande beaucoup d'argent. Le film a été fait, c'est à vous maintenant d'acheter. Achetez ce film sur www.afronaut.com. Je vous aime bien et je vous dis bye! This is your last chance to tell me the truth. What is my goddamn money? My boss wants you dead. He's willing to do anything in his power to protect his reputation. Burn you down.